Avec un peu plus de 9 millions d'euros de trésorerie, les chemins de fer de la Corse portent bien. Mais pour la Chambre régionale des comptes, la gestion salariale est, je cite, « inflationniste ». Revalorisation des primes des salariés, avancement automatique des échelons. Au contraire, pour l'ancien président des chemins de fer de la Corse, Michel Stefani, il n'y a là aucune anomalie. En 2011, la situation était particulière. 255 agents sont passés de la SNCF à une nouvelle structure. Il a fallu revoir tous les statuts. On nous reproche d'avoir tiré vers le haut, la négociation salariale. Nous étions dans un cadre qui était assez complexe puisqu'il y avait un enchevêtrement d'accords, parfois même individuels, qu'il fallait donc normaliser. C'est ce que nous avons fait et nous l'avons fait effectivement en tirant vers le haut. Aujourd'hui, l'effectif est de 272 agents, soit 17 de plus qu'à la création des CFC. Au-delà des charges de personnel, la Chambre régionale des comptes souligne des contrats d'assistance ou de sous-traitance souvent négociés en dehors des règles de concurrence. On nous fait reproche, mais là on est dans des services un peu particuliers. Par exemple, lorsque vous passez un marché avec une entreprise qui est spécialisée par exemple dans le ballast, vous revenez souvent vers cette entreprise. Lorsque par exemple vous prenez des essieux, donc c'est des essieux, vous retombez sur des sociétés qui sont spécialisées dans la construction de ces essieux. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut préciser. Selon la Chambre régionale des comptes, les CFC ne disposeraient pas de données fiables concernant le nombre de voyageurs par ligne. La Chambre préconise une comptabilité plus rigoureuse. Concernant ces recommandations, l'actuel président des chemins de fer de la Corse préfère rester prudent. Le rapport, pour le moment, il n'est pas public. Il sera présenté au conseil d'administration le 18 avril. Et pour ma part, les recommandations seront appliquées à la lettre. Au niveau commercial, les chiffres restent positifs. Le nombre de voyageurs aurait augmenté de 64% entre 2012 et 2016, les recettes de 42%.